Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il en est tombé dans la falaise. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les thèses de ce mercredi 17 août 2022, lues par Sœur Lucienne Tandiateba, Sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du révérend diacre Justin Dikounou de la Société des Missions Africaines.
commenté par le Père Yves Alloux de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Chapitre 34, versets 1 à 11. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise. Tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qui sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait. Vous vous êtes habillés avec leur laine. Vous égorgez les brebis grasses. Vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soigné celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées faute de berger pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche. Personne ne parle à leur recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie des bêtes sauvages faute de bergers, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes au lieu de l'être pour mon troupeau, eh bien, berger, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de le faire paître. Et ainsi, ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus leur proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 20, versets 1er à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures. Et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Il lui répondit, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent, et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. Et en la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers. Et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole dans l'Évangile d'aujourd'hui montre que notre conception de la justice est différente de ce qui est la justice de Dieu. Me regardes-tu d'un œil mauvais parce que je suis bon? Les relations entre Dieu et les hommes ne sont pas comparables à un contrat entre un patron et ses ouvriers. Comme le montre la parabole du maître de la vigne, le salaire accordé par Dieu est un don libre
et gratuit de sa miséricorde. Dieu accorde ses faveurs à qui il veut. Dieu ouvre les portes de son royaume aux Juifs tout comme aux païens. Les Juifs ont eu le privilège d'être le peuple choisi, premièrement, mais les autres aussi sont appelés à rentrer dans le royaume comme les ouvriers de la dernière heure. Que vous soyez venus tôt ou bien tard, tout le monde reçoit une pièce d'argent, ce qui est simplement l'appartenance au royaume de Dieu. C'est cela la générosité de Dieu. Ce n'est pas une récompense que nous méritons parce que nous avons fait quelque chose, mais c'est juste un don gratuit venant de Dieu lui-même. Nous devons être contents parce que Dieu nous accueille dans son royaume, nous qui sommes pécheurs. Oui, il nous reçoit, même s'il nous arrive à nous repentir en dernière minute comme le voleur crucifié avec Jésus. Matthieu chapitre 5, verset 45 nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Pour cela, nous, ses enfants, n'avons pas le droit d'être jaloux lorsque nos voisins, qui sont moins bons que nous, reçoivent plus de bénédictions que nous. Nous devons en être heureux et rendre grâce à Dieu avec eux. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24. En direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous